the boy. Stop it, bon, les petits rapporteurs, on continue notre visite à encore Tom. Donc là maintenant on est au bas-fond qui a été restauré par l'école française avant la guerre civile. Ils ont démonté pas moins de 300 000 pierres et tous les documents ont été détruits par les Khmers rouges. Et depuis les années 95 en fait, ils ont continué à restaurer et depuis bah c'est toujours en restauration. C'est juste splendide et le palais que vous voyez là juste en face, apparemment à son apogée, c'était le plus beau palais et temple de tout encore. Voilà, on vous emmène tout de suite visiter tout ça. Alors comme vous pouvez le voir, les marches sont très pratiques. Hein. Bah celle-là encore ça va, parce que celle-là, vous pouvez au moins rentrer la moitié du pied. Tout à l'heure, on va rentrer le petit orteil. Je comprends pas moi, pourtant ils étaient minuscules, ils le sont toujours d'ailleurs. Et les marches, elles sont super, elles sont plus hautes, elles sont aussi hautes que mon genou presque. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un Bouddha qui est allongé. On voit encore plutôt bien le visage, qui faisait à l'époque 80 mètres de long. Bon, les petits rapporteurs, j'ai un petit problème. On est monté. Caro, tu veux pas t'arrêter là, s'il te plaît ? On est monté, mais je pense que ça va être compliqué pour descendre. Donc je me tâte, si je descends en marche avant, j'ai une vanille, je pense. Ou si je descends en marche arrière, mes jambes risquent de lâcher. Il y a une rampe, mais c'est vrai que ça... Non, t'approches pas de toi, tu vois. Mais je suis loin, François, je vais pas tomber. Non, t'es pas si loin que ça, là. Et jamais tu tombes, hop, tu tombes partout. Ok. Par contre, c'est... Voilà, en fait, ça descend sec, quoi.